l'émission. Et après, les gémeaux, après t'as dit que amener tes parents. C'est le super aussi, non? Et ses parents se sont pardonnés devant Dieu. Oui, ils ont ses parents qui m'ont pas. Mais je n'ai jamais vu des démons comme ça. Des démons comme ça, comment? Des démons qui demandent pardon à Dieu, des démons. Non, c'est pas les démons qui ont demandé pardon à Dieu, c'est les parents de l'enfant qui ont demandé pardon à Dieu. C'est que l'enfant était très intelligente, mais ses parents l'insultaient toujours, tu vois. C'est pour ça que les parents ne doivent pas insulter les enfants. Les parents disaient toujours aux enfants imbéciles. Ils insultaient leur enfant qu'elle était imbécile. Et donc, le démon est venu et l'enfant est devenu imbécile. Le démon d'imbécile. Oui, d'imbécilité. Bonjour. Oui. Super, 20 000 fois. Oui. Et tu avais dit qu'on appelle les parents de ce démon. Oui, non, pas les démons n'ont pas les parents, ma fille. On a appelé les parents. Le démon a dit qu'il est entré dans la fille parce que ce sont les parents de la fille qui lui ont donné le droit d'entrer en lui. Tu vois un peu? Donc c'est pour ça que les parents ne doivent pas insulter les enfants. Quand tu dis à ton enfant imbécile, le démon d'imbécilité va entrer dans l'enfant et l'enfant sera imbécile. C'est-à-dire qu'il ne sera plus intelligent. Et si on lui appelle aussi Mouf? Si on l'appelle Mouf. Oui, si tu dis Mouf à ton enfant, l'enfant deviendra aussi Mouf. Il sera zinzin, tu vois. Ça veut dire quoi, zinzin? Zinzin veut dire que l'enfant sera plus intelligent. Et si on l'appelle va là-bas? Non, va là-bas. En fait, le parent ne doit pas être délinquant avec son enfant, il doit être gentil. Il dit le mot gentil, parce que quand un parent insulte l'enfant, c'est une malédiction, tu vois. Moi, je vais toujours te dire que tu es très gentil. Oui, moi aussi, tu vois, moi je te dis toujours que tu es gentil. Est-ce que je t'ai déjà dit un jour mouf? Non. Est-ce que je t'ai déjà dit un jour imbécile? Non. Tu sais pourquoi? Parce que si je dis ça, c'est que c'est une malédiction que je mets sur toi. Et alors le démon d'imbécile va entrer. Oui. Et comme ça, tu vas devenir vraiment imbécile. Et je ne veux plus être première en classe. Oui, et tu seras plus première. Et je ne veux plus bien réfléchir. Mm-hmm. Et je ne serai plus intelligente. Mm-hmm. Je serai maintenant zing-zing. Mm-hmm. Voilà, c'est pour ça que tu vois que je te dis toujours des paroles gentilles. Tu vois? Voilà, un bon parent doit dire des paroles gentilles à son enfant. Parce que c'est des prophètes qui sont très gentils. Mmh, ouais. Mais pas le prophète qui t'a insulté. Ça, c'est toujours une malédiction. Oui. Bon, il m'a insulté, mais ça va, c'est pas moi qui l'ai insulté, c'est Jésus qui l'a insulté. Oui. Quand tu insultes un serviteur de Dieu, c'est que c'est son Dieu que tu as insulté, tu vois. C'est un peu ça. C'est pour ça que tu as vu, j'ai pas répondu quand il m'a insulté. Il t'a dit que tu n'es pas un bon prophète. Mm-hmm. Alors que si, tu es mon meilleur papa. Oui. Mais lui, c'est pas que je suis ton meilleur papa, ton papounet. Mais lui, il ne me connaît pas encore. Mmh. Il sait pas que je suis ton papounet qui t'achète la bonne glace de la classe chaque dimanche. Tchil, 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 tchok. Aïe, répondre aux questions de Jemima après le culte, c'est terrible, l'interrogatoire. Chaque mot doit être expliqué. C'est compliqué parfois. Aïe. Là, il va répondre à ma question. Je réponds à tes questions, non? Tu as posé chaque mot, j'ai répondu. Hmm? C'est pas ça. Hmm? Voilà. Je veux vous dire quelque chose. Tu veux dire quoi, Jean? Que? Mm-hmm. C'est dégoûtant. Qu'est-ce qui est dégoûtant? Quand on insulte les parents, quand on insulte les enfants. Regarde ça. Voilà, donc
C'est ce que nous partageons ici tout à l'heure dans... Et nous rendons grâce à Dieu. Arrête de mettre les mains dans le nez. Je vais m'arrêter, s'il te plaît. Non. Arrête de mettre les mains dans le nez. C'est un futur ça, le monde. Mais c'était notre petit secret. Et notre petit secret, tu l'as dit devant tout le monde. Est-ce que c'est gentil alors? Parce que là, t'es gentil, Jenny. T'es pas du tout gentil. Pourtant, papa va t'acheter la glace et toi, t'es pas gentil envers papa. Papa, elle ne te fâche pas. C'est facile. Je suis fâché. Je suis complètement. Comment tu peux faire ça, ton papa? C'est gentil, ça. Ok. Bon dimanche à tous. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est vivant. Et s'il vous plaît, méfiez-vous des faux profils au nom du prophète Gani Ferdinand. Notre page a plus de 200 000 abonnés. Et prophète n'a pas eux à la fin. Donc c'est prophète comme en anglais. Voilà comment vous pouvez reconnaître ma page. Et nous sommes en train de nous préparer demain. On a deux jours qui commencent à partir de demain. Ciao. Voilà, grâce à Dieu. Voilà, ça c'est quoi ça? Je suis tombé. Hein? Ciao. Oui, c'est. Ah, mardi. Mardi le 14 et le 15. Mardi 14 et 15. Voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, non, je disais que tu as eu une vilaine blessure là au pied. Puis voilà, ça va. Alors que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.